Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du No So Berry. Comme on peut voir cette magnifique maison. Et surtout ciel étoilé, hein. Non mais Enford and Begley, c'est... Vu qu'il n'y a pas de pollution qui est la campagne, laisse tomber la neige quoi. Waouh, c'est beau, sans les mains. Ah bah c'est... Ah, qui pleure, qui est mort. Ah non, c'est notre fille. Petite bibiche qui a été relookée. Mais d'où t'appelles ta mère en fait? Parce qu'elle est pas là. Jeannot, Jeannette. Alors, petite Nila a été relookée. Et puis... Mais... Mais comment t'as fait pour l'entendre de ta chambre, toi? Vous communiquez par voie astrale ou comment ça se passe? La gamine ne sait pas monter les escaliers, elle fait « Ah, maman !» Et la mère, elle l'entend. Ok, toi t'es bugué, j'ai compris, ça commence, voilà, merveilleux. Qu'est-ce que c'est? Ouvrir. Ah oui, je suis sur pause aussi. Mais qu'est-ce que tu fais déjà là, toi? Mais ça y est, mais ça commence. Oh non, la poussière, tout à l'étage, oh là 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 là. Tabarnak, va te coucher. Ah non, et la deuxième va se mettre à hurler, c'est ça? Au pire, c'est papa qui se lève. Hein. Ah, je m'en doutais, je le savais. C'est vraiment l'enfer, ces gosses, s'il te plaît. Oh là là! Dépêche-toi, papa! Dépêche-toi! Je vais déjà envie de les trucider en quatre! S'il te plaît. Voilà, merci, au revoir. Tiens, tu as des jouets, là. Ah, c'est bien, t'as reçu ça. Mettre dans ta chambre quand tu seras plus grande, là. Voilà, ta future chambre. Hop. En plus, c'est bleu. Nickel. Ah oui, c'était son cadeau de Noël, j'avais oublié que c'était nos... Ah, la ferme. Mais joue. Mais qu'est-ce qu'elle a chialé? Ah, oh là là. Ça va pas se passer comme ça. Oh là là. Casse déjà les nerfs, sale gosse. Dans le mur, mais bien sûr! Ans et 21h, 16 ans et 15 ans. Oui, quand même. 16 ans et 15 ans, et il s'y plie en plus. C'est tôt quand même pour eux. Salut Kyopoti, comment vas-tu? Ouais, c'est bon. Repose le machin. Dans 3 secondes, il va hurler parce que il aura faim. Eh, hey. De toute façon, toi, t'es père au foyer, tu t'en fous, t'as pas de boulot. Aïe, 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 qui c'est qui est mort? Nicolas Lewis. Je connais pas. Ça va, qui est petit? Salut, Anne, comment vas-tu? Il y en a un stagiaire, un bon apprentissage. Ah, pas mal. J'attends le challenge et cette bombée avec impatience. Je sens que ça va être fun. Heureusement, je ferai qu'une journée par une journée. A bientôt à venir sur YouTube. Évidemment. Bah, tu peux aller pisser et puis dormir, Jean-Claude. Tu vas voir qu'au moment où il sera dans le lit, elle va hurler. Ah non. Par contre, il faudra faire le ménage. Eh ben ouais, elle hurle maintenant. Attends, il est 8h30 du matin, maman est debout. Maman est debout. Elle va donner de loulou par son gros tété à sa petite fille adorée. Ah, tais-toi. Mais quelle virilité cet homme avec son caleçon à cœur. Mais bien sûr, mais c'est la beauté, c'est la sexitude. Non, je l'entends encore là. Hein? Ouais. Là, c'est bien. Là, non, on les entend plus à cette distance. C'est ça qui est magique dans les Sims, hein, c'est que vous éloignez, vous mettez sur pause et puis ah, le calme est revenu. T'en es où toi déjà? Alors, ta carrière. Ah,
100 heures sur l'ordi. Fastoche, on est à 76. Nous avons tout ça bien. Elle est au niveau 5 des gourous des technologies. C'est pas mal. Va pisser. Je veux que t'ailles pisser avant, Janine. Ah, oh, mais... Va pisser là, Jacqueline. T'as un putain de truc, là. Qu'est-ce que tu montes les escaliers, gogole? Zen. Fallait rester zen, soyons zen. C'est un temps des veines, soyons zen. Et merci Aimé pour ton follow et bienvenue à toi. Bah tu vois, elle s'est endormie dans son caca au final, c'est pas si urgent que ça. Puis ça tient chaud aussi, c'est ça qui est bien. C'est stop qu'il y ait des babyphones dans le jeu aussi, que ce soit encore plus réaliste. Oh non, c'est bon, ouais. Ils sont déjà assez obsédés avec leur gosse. Bien. Ah, c'est bien, Jean Valjean. On a une énorme cuisine qui est vide. Il n'y a rien dans ces baraques. Les baraques du Not So Berry sont toujours vides. Parce que je m'en fous d'avoir plein de trucs dedans. Quand j'y joue pas, je mets plein de trucs. Et quand j'y joue, je mets rien. Ah oui, c'est vrai qu'on est un homme de ménage. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, j'ai entendu dire que Rintinquaire était devenu ton ennemi. Tu as raison, cette fille est une idiote. C'est sympa, ça. Ouais, va te laver. Regarde, on a du schmoll qui fait le ménage. Ah, c'est l'anniversaire du patron. El patron. Est-ce qu'on commande sur internet ou on fabrique un cadal? Bah d'ailleurs, je vais vous faire un petit sondage rapido rapida. Poilo, poila. Poilou, poilou, poila, papa, la 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 la. Donc, hop. Ça va être court, ça va être une minute de sondage, c'est parti. N'hésitez pas à refresh si vous ne voyez pas apparaître dans l'espace chat. C'est maintenant, en tout cas, que vous devez vous exprimationner via ce sondage incroyable. Oui, incroyable. Il est toujours plus viril que Jackie. Mais non, moi, qu'est-ce que vous avez contre Jackie, chaton? J'ai l'impression que le jeu saccade un peu, c'est moi. C'est la combinaison OBS et les Sims, ils sont pas copains. C'est mon PC. I am sorry, but I don't... je sais pas quoi faire d'autre. Ouh, je suis flou. Ouh. 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 Je pourrais continuer longtemps comme ça. On lui offre un bonnet rose, c'est ça. Salut Eliawen, comment vas-tu? Alors, à 61% fabriqué le cadal. Et c'est un gain de performance petit. Ah, il faut payer les factures. El factures. Si, está bien, es bien, la factura, la tarde, la tarde, la tarde, la tarde, la tarde, la tarde, la tarde. 10 000 de factures, sérieux? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que l'homme de ménage, il va pas nettoyer derrière? Ça sert bien quelque chose de le payer, tiens. Allez, on va passer à la Spiro là-haut. Avant que ça hurle et que ça se réveille. Voilà. Magnifique. Jouis ! Et c'est propre. C'est magique ! Quel bonheur. Ah ! Elle est où ? Ah bah si, elle s'est montée les escaliers ! Elle s'est montée les escaliers. L'argent. Ah ! J'ai trop peur ! Pourquoi l'argent ? Ça coûte cher ! Attends, elle a quoi? Oh, ça va, vite fait. Alors, comme elle est là, on va lui prendre... elle va lui prendre un bain, on va essayer de la noyer. On verra bien comment elle réagit. Tiens, je vois que tu pues des fesses, ma fille. Est-ce que tu veux qu'on te les lave un peu? Avec un peu de chance, je vais te noyer au fond de la baignoire.
Shirley, il y a quoi dans ton verre qu'on te voit flou? Il y a de l'eau. Et de l'eau. Ah, c'est bon de l'eau. Profitez-en, dans 5 ans, il n'y en a plus. Ça va bien, Eliawen, et toi? Bah tiens, tu viens de répondre, donc tout va bien. Si tu vas bien, tout va bien. Et si je vais bien, c'est j'y vais mine, évidemment. Gucci, Gucci. Ah, là. Eh, hey, bravo, connasse. Allez, papa, il va faire à bouffer maintenant, parce que il aime bien faire la cuisine. Un faux sandwich au BLT. Oui, c'est bien. Bacon, laitue... Bah, comment il avance? Ça m'énerve quand ils font ça. Ils sont tout buggés. Avec les Sims, c'est toujours buggé. Qu'est-ce que tu fous avec ta planche dehors? C'est nul. J'adore l'eau, dans 20 ans, il n'y en aura plus, toujours réplicule. Ouais, moi j'ai dans 5, parce que bon, ça fait un moment qu'il l'a sorti celle-là. J'adore l'eau. On sait jamais, j'ai un PC très capricieux. Ah oui, carrément, il a platé son couteau. Platé son couteau dans la planche. Oui. Je sais pas en quelle année il a dit ça, JC. Jésus-Christ. Van Damme. C'est la parole du Saint-Christ, hein. Enfin, du Saint-Claude, Jean-Claude. Parce que peut-être qu'il s'est trompé, hein. Que maintenant, ben... ce n'est plus valable. Ça va, elle se tait l'autre là. Hein. Il est 15h, elle a pas moufeté depuis ce matin. Attention. 3, 2, 1. Ah non, ça a raté. Au moins là, on va lui donner à bouffer au cas où elle a besoin de bouffer. Free the babies! Ils chantent Nobo, Nobo. Je suis aware. Mais tout le monde est aware, sinon ça ne sert à rien. So weeby Nobo. Qu'est-ce que t'as dit, ce pauvre gamin là? Regarde ça. Oh bah oui, oh bah, l'entente, c'est. Oh, ça va pas. Tu vois qu'elle avait faim. T'imagines le parent hyper relou. Il la prend, il la repose pour la reprendre juste après, pour la reposer, pour la reprendre, pour la reposer. S'il la repose et qu'elle chiale à ce moment-là, je hurle. Il est perché surtout, mais non. Mais non. Juste un peu. Bon, j'ai pas encore fait le portrait de notre pom-pom nationale. Qu'est-ce qu'elle a babillé? Enlacé tendrement. Regardez la télé avec. Oh ouais, carrément. Quelle est poupette alors? La petite Nila. Bon, il va finir par nettoyer sa tâche, comme ça il ne les casserait pas. Oh oui, 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 comme dirait Julien le Perse. Mais est-ce qu'il est Perse? On ne sait pas. En tout cas, il est français. Elle est belle, elle est talentueuse et elle vient d'avoir une promotion et c'est un niveau 6. Pour pom-pom tapis, hein.
Elle est promue au poste de capitaine du développement. Elle gagnera désormais 5 sinfous de plus par heure, soit 78 sinfous de l'heure au total. Mais Oh, Jean-Claude! Elle a également reçu en bonus 874 sinfous et le prix d'excellence scientifique en matière d'innovation. Elle commencera la prochaine journée à 9h et c'est du 9-17. Et braval! Braval, ma pompinette, parce que ben. T'as juste géré quoi. T'as juste géré. Merci beaucoup Kiki Sims pour ton 4e mois d'abonnement. Quel soutien incroyable. Des bisous à toi. Gros bisous. Et Smiley Bull, merci pour le soutif. Et salut Lali Gaga, comment vas-tu? Bravo pour la promo. Ben oui, Kikoua toi Kiki Sims. Ah voilà, bébé qui hurle, bébé qui chie. Ah, quel bonheur. Fête des enfants, c'est vraiment très enrichissant. Oh, fête des enfants, c'est vraiment très, très important. Pardon. Il y avait une page Facebook comme ça où il y avait Jésus, Vandamme, Chuck Norris qui se clashaient entre eux, c'était tordant. D'accord. Ah, les pages Facebook. C'était un monde à eux. Hein. C'était un monde, hein, tout ça. C'était particulier comme eux-mêmes. Hein. Et tu vas continuer le travail d'appoint. Et Cucu, Ruline, comment vas-tu? Tu t'es fait mal, Tigger? Quel dommage. Qu'est-ce que t'as loupé? Bah, rien. C'était arrivé pile pour la promotion de Pom Pom, donc. Rien, on a relooké juste la gamine. Toi, tu vas sûrement pas faire des conneries. Et il a passé l'aspirateur. Voilà, sache-le. Tu nous l'aurais fait pour le best-of du troisième trimestre. Non, c'est trop tard. Il faut saisir l'instant. Une fois que l'instant est passé, il est fini. Il disparaît à tout jamais dans les méandres de la vie. Eh oui. Je suis philosophe à mes heures perdues. Mais alors très perdue. Salut Tite Dragon, comment vas-tu? Ah, ton oreille. Ah mais Julie n'est pas là, donc j'ai le droit de mal chanter. C'est Julie qui a mal aux oreilles, dès que je chante mal. Vous allez me dire, bah non, moi aussi. Ouais, mais Julie, elle s'est plaint plein de fois. Qui c'est qui regarde la télé? Personne. Ah, c'était elle. Alors, petit tour d'horizon sur ses compétences. Programmation niveau 8. What? Mixologie niveau 8. Et jeux vidéo niveau 7. Ah, et ben elle va jouer au jeu vidéo. Elle va jouer à My Sims Go. Comme ça, elle passera encore du temps sur l'ordinateur pour son aspiration. Mais c'est bien. Voilà. C'est tout ce dont j'ai besoin de savoir. Et bien sûr, elle m'a tout cassé. Ah! Et bah, tu vas jouer à Vive les Sims. Oh, ça y est, elle est en chaleur. Oh, c'est la chaleur. Et toi, Germaine? Oh, regarde, tonton! Plus de choix, amical. Montrez le jouet. Et invite à rentrer le Hulk. C'est tonton le Hulk. T'es bon? Parce que t'as encore pas mal d'heures à passer sur ton PC, toi, Jacqueline. Punaise, dégoûté d'avoir loupé Mathias qui passe la spi. Ah ouais, non mais toujours dans un toujours de façon très exigeante, pardon. Parle pas de philo, je viens de voir pour demain, j'ai invité. Oh là là. Eh ben c'est pas comme ça que t'auras ton bacaraoléa. C'est comme ça qu'on se dit, hein, je sais plus. Hein. Bacaraoléa. Bacaraoubala. Caca. Baklava, oui c'est ça, baklava. Oh là, je savais plus. C'est pas comme ça que t'auras ton baklava, hein, mon soldat. Ça va pas, hein. C'est comme ça qu'on dit. Oh, la pisse est partout, là. Ça va, raconter une tape sur les bernacles. C'est quoi déjà les bernacles? On a déjà eu cette conversation, il me semble. Les bernacles. Dites-moi, j'ai une question. Je viens de voir une vidéo de Lee Sims sur la création de monde, mais n'étant pas bilingue, j'ai pas du tout su. C'est un mode. Ouais. Oui, c'est un mode. Salut Louise, comment vas-tu?
C'est un mode Arnie. Je pense que tout le monde va se ruer dessus pour le faire, mais je le ferai aussi peut-être. Parce que là, il faut le payer, je crois, pour l'instant. Quoi. Ah, c'est un mollusque, le bernacle. C'est incroyable, ça. Moi, ça, c'est de l'aller en chaleur. Joue à tes Sims, après on verra. 77. C'est cool. N'empêche, c'est cool. De niveau 6, on n'a rien à faire niveau compétences programmation Julio parce qu'on les a déjà. Donc c'est cool. Ah, et niveau 8 de la compétence J2 vidéo. Et ça, c'est bien. Ouais, c'est un mode. Un moulis et coquillage. Ouais, c'est ça. Baccalauréat. Oui, non, c'est pas baclava. Oh, moi, je confonds tout le temps. Faut juste que j'ai 10 au bac de philo. Sinon, je passe au rattrapage, ça sera l'oral. Mais moi, je l'ai eu à l'oral, la philo. J'ai eu du bol, hein, on va dire, là-dessus. Et salut, Jaël, comment vas-tu? Alors, on va accélérer un petit peu. Mais d'où tu dors, toi, Jean-Guy? Mais comment se fait-ce? Tu manges, tu pisses, tu t'occupes de tes gosses, quoi. C'est vrai que la gamine, je lui ai pas mis trop de choses. Il lui manque des cubes et tout, là. Personne ne m'a dit, mais... Jeannette! T'as pas mis les cubes! Allez, va empiler les cubes, là. C'est comme enfiler les perles, et ben c'est... Mais j'ai dit, va manger, toi! Oh là là! Et t'es dur de la feuille, hein? T'as fait à bouffer, tu te sers dans le frigo, toi, c'est bien. Intelligent. Aïe, 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 je vous jure. Hein. Et fini comment, celui-là? Et va jouer avec ta fille. Ou pas. D'accord. D'accord, d'accord! Et toi, arrête de parler, joue, hein. Oh, dis donc. Je suis toujours gentil, moi. Ah, c'est sûr qu'en faisant comme ça, tu vas vachement réussir ta partie. Hein, on se demandera pas si t'es Sim Simmer. Hein. Ça va, Jaël, ça va. Il semble aussi qu'un bernacle, c'est à la fois un crustacé et une noix sauvage. D'accord, tout est normal. Mon prof nous donne plein de méthodes sans nous expliquer comment faire en pratique. Du coup, tout le monde est perdu. Et devant les parents, il dit qu'on est super fort. D'accord, super. C'est incroyable, ça. Du coup, je vais le redire, je me souviens plus, les frères et sœurs comptent pour des amis. Ouais. Ah oui, tiens, les amis. Arrête de parler avec ton gars. Ah, elle a faim, elle a soif, elle a tout. Arrête! Non mais vous me voyez moi jouer comme ça? En regardant je sais pas où? Et salut Guillaumus, comment vas-tu? Bernache? Mais moi on s'appelle Stark. Il s'appelle Stark! Sérieux? C'est vrai? Il est classe ou pas? Est-ce qu'il a un lien de famille avec la famille Stark? Pas Tony Stark, hein. Quoique Tony Stark, ça m'intéresse aussi. Mais Stark de Winterfell. C'est peut-être un descendant de Jon. Enfin non, parce que Jon, c'est pas Stark. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être j'ai mal lu. Je fais mon Legacy en même temps. Et eh ben écoute, moi je fais mon Notre Sobéry en même temps. Tranquille. Elle joue, moi aussi. Enfin, moi, non, je joue pas, du coup. 82 heures. Oh là là. Et oh, 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 oh. Jeannot Lapin. Jeannot Lapin est demandé à l'accueil. Ta fille a faim, Jeannot Lapin. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Elle s'est chiée dessus, là. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces grognasses, là? Caru.
J'aime les enfants, savez-vous comment? Surtout sur un piqué. J'aime les voir crever. Je vais pas continuer, ça va être. Il y en a plein qui vont être choqués. Il est assez banal, et puis les yeux marrons, c'est pas bon pour la génération. Et puis il est pas mal, mais il est. Eh ben, photo ! Photo ? Maintenant, tu m'en as trop dit, moi, celle-là. Je veux voir l'animal, moi. Hein. C'est un Stark. Hein. Forcément, ça éveille ma curiosité. Tu m'aurais dit Lannister, ça aurait été pareil. Hein. Targaryen, je t'aurais dit. Tu mens. Qu'est-ce qu'elle a, elle ? C'est cassé la gueule, la gogole ? Ah, c'est... Qu'est-ce que t'as, toi? D'où tu me coupes la parole? Ah bah, c'est Crime qui me coupe la parole. Bravo. Bravo. Tu fais du rentre-dedans à ton tacos? Manger tacos au tofu. Jeannette, d'où tu... Viens. Oh, je t'ai pas dit de quitter ton truc, hein. Vous avez vu comment elle me... Ah, les deux... J'ai rien dit, les deux sœurs du maître. J'ai rien dit. J'avais pas vu qu'il était si tard. J'avais pas vu. As-tu vu mon... cul? Les bébés au congélo. Ben bien sûr. C'est fait pour quoi d'autre sinon? Iowa, que de nostalgie. Il revient bientôt. T'as sorti Jeannot Lapin, hein, mon homme, enchaîne sur une chanson. Ah bon? Je me demande comment je suis au deuxième rang dans une classe de 13. Bah tu es oh. Bah tu dis monsieur, je peux prendre une photo de vous et puis voilà. C'est aussi simple que cela. Je t'ai dit d'aller te coucher en fait au lieu de t'occuper de ta gosse, mais t'as raison. Oui, mais merde. Oh, ça m'énerve toujours autant. Tu leur dis... Dors, eux, ils font... Bob ! J'ai une tête à me marrer, là. Mère indigne, c'est vrai, ça. Toutes les mères sont indignes. Ils sont vite dans leur pieu, ceux-là. Tu étais un bébé il n'y a pas si longtemps, pourquoi tant de violence? Mais c'est un bébé. Ah! Quel bonheur! Profiter. T'es moche. Ta gueule. T'es moche. Il fait pas beau. Je prends une photo de vous. À OSE. Que vous voyez, vous appelez Stark et je connois une pro-Targa qui veut voir si vous avez du bon gène. Exactement. Exactement. T'as tout pigé, poil au fion. Allez. Demain, je veux ma copie. Avec un autographe. Hein. Et puis, toutes les mensurations. Hein. Au garrot et tout. Hein. Taille de hauteur du croupion, largeur... Merci, on s'éclate. Ah, je sais. Je chapa tout le temps, je suis pas dessus et je mange toute seule. Tu chies pas dessus, t'es sûr? Gedna Nubu? Ah là 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 là. Vas-y, discute avec les collègues. Eh, va bouffer, va pisser. En attendant que la petite grandisse, d'ailleurs. La petite, elle va devenir un bambinette aussi. Hein.
Il a 24 ans, il mesure 1m85. Ah, mais il est jeune! Un prof! Attends, prof de philo, tu m'as dit? À 24 ans, on peut être déjà prof. C'est obscur. Et ben voilà, c'est chié dessus. On aurait dû l'appeler Sophie. Sa première année! Ouais, ben. C'est où la meilleure, le meilleur son là? Oh là là. Sa première année de cours. 24 ans, c'est un bébé. Ouais, alors qu'est-ce que c'est, Mosalda, qui est un fœtus? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais non, là, mais alors. Ça y est, j'ai blessé les gens. Je me tais, moi, je dis plus rien. Je joue et je dis plus rien, ça vous va? Comme ça, je vexe plus personne, moi. Ça ira comme ça, hein. On va faire ça comme ça. Je suis désolée, Sumono, c'était pas mon intention. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais. Mon intention n'était pas là. Il vient toujours de sortir de l'œuf. Ah, je savais pas! Mais non, mais c'était pour. Ce mot soldat, c'est aussi son prénom. C'est pour elle que je l'ai dit. Voilà. C'était pour un petit. C'était pour en l'embêter, elle, mais c'était pas. Je ne savais pas. C'est pour de rigolade! Oh là là! Bien sûr que c'était pour mot soldat que j'aime bien embêter. Ce n'était point voulu, hein, vraiment, je ne savais point. Si j'avais su, je l'aurais pas dû. Ah, merci, Somono, c'est gentil. Alors, on rigole tous en bon enfant. Oh, ben, j'espère, hein, parce que bon. Déjà, j'ai quelqu'un dans les commentaires qui m'a fait tellement rire. Qui regarde la rediff d'une autre Sobéry. Coucou à toi d'ailleurs et à ta maman, tu vas te reconnaître. Parce que j'ai eu un commentaire où elle disait je regarde ton autre Sobéry et d'un seul coup tu gueules. Mais Jacqueline, mais fais-y, fais quelque chose. Et là ma mère qui répond mais j'y peux rien, je peux rien faire. Et ça m'a tordu de rire parce que ça veut dire que sa maman s'appelle Jacqueline. Et comme j'arrête pas de dire Jacqueline tout le temps. Et que sa maman l'entende et qu'elle me répond alors que bah, ça me fait marrer. Et franchement j'étais mort de rire. J'imagine la scène, je me dis mais n'importe quoi en fait. Mais ça va, les gens ils ont pas l'air de se vexer. Mais j'aime bien dire des vieux prénoms, hein, vous avez remarqué. Hein. C'est parce que ça me fait, ils me font rire. C'est pas méchant. Hein. Les gens ont le droit de se rappeler comme ils veulent. Enfin, de toute façon, ils ont pas choisi. Mais ça me fait marrer, moi, les vieux prénoms, c'est marrant. Jean-Claude, Jean-Pierre, Jean-Guy. J'invente des trucs même. Cucu Jacqueline. Ben oui, Cucu Jacqueline. La vraie cette fois-ci. Mais j'ai pipé, je vais recommenter. Ah mais oui, mais ça me fait super rire. Franchement, j'ai rigolé en le voyant. Je suis non, sérieux. C'est trop fort, quoi. Parce que bah oui, il doit y en avoir, mais pas beaucoup, hein, qui me regardent, Jacqueline. Ma tante s'appelle Jacqueline. Elle aime pas son prénom, alors elle a choisi de se faire appeler Sophie. Bon, alors, il y a tout de suite. Après les Céline, c'est les Sophie. Ça y est, il y en a partout. Tu crois que Jacqueline a un scooter? Elle n'a pas peur. Jacqueline. Et son scooter, Jacqueline, elle n'a pas peur. Ah ça. Dans le best-of de dimanche, vous aurez beaucoup de Jacqueline encore. Faut qu'on la retrouve la Jacqueline, la vraie Jacqueline des Sims 3. Faut qu'on retourne avec elle à travers les mondes, tout ça quoi. Vous savez. Bon, elle grandit quand là, la petite Céleste? J'allais dire la petite Jacqueline, mais non. Si c'est plus la Jacqueline. Oh non, ça fait baisser sa perf. Aïe 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 aïe. Mais c'est qui là? Elle a perdu qui? Un ami? Mais c'est pas un ami, on connaît pas. Ah, Amy, c'est un de tes ennemis. Elle pourrait être contente si un ennemi pleure parce que comme elle en a plusieurs. C'est quand tu veux le jeu. Tu me charges les Sims en fait là. Ah, c'était lui!
Nicolas Lewis. Ok, une fois qu'ils sont morts, on peut plus ouvrir le profile. Alors, on connaît des morts, hein, quand même. Hein. C'est triste, hein. Bon, si on devait faire l'inventaire de chacun dans sa vie, oui, forcément. Ah! Mais Opaline, qu'est-ce que tu fais là? Opaline, Opaline. Opalinette, Opaline. Sur les chemins de la France. Voilà, c'est Jacqueline en Chine sur son vélo. Alors, après le scooter, c'est le vélo. Puis forcément, comme je fais le montage et à chaque fois je les revois, et du coup, j'ai les musiques et les chansons qui me restent dans la tête, quoi. C'est horrible. C'est comme la chanson que je me suis auto-pourrie avec la chanson L'amoureux de les plantes. Vous verrez. Et on connaît des morts. Bah oui! Ah oui, on connaît des morts! Bon, elle les a connus, ils étaient pas encore morts, mais maintenant ils le sont. T'as vu, c'est Tati? Ah, tu peux pas lui parler, d'accord. Tu peux la renvoyer chez elle, par contre. Dégage, Tati, je t'aime pas! Mais regardez la forme de ses hanches. C'est le pantalon qui fait ça ou ils ont changé la forme des hanches? Avec la petite bosse sur les cuisses. Il arrive un moment où on est plus souvent invité à des obsèques qu'à des baptêmes, ça ouais. Bordel, quand tu vas te dire Jacqueline, dans ton autre Sauberry, on va tous penser à la mère de l'abonné. Oui, il y a des chances. J'aime bien la chanson du chien tout heureux. Ah oui, bah oui, mais... Je suis un chien joyeux. Je balance du cul comme tu veux. La 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 la. Da 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 la. 624 simflous pour Pompot. C'est les voisins. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est pas contente. Comme elle a un style de vie technophile, elle a amélioré ses performances grâce à son goût pour les technologies. Elle a aussi fait un travail fantastique. Ouais. Ah oui, elle a bien rattrapé, ça va. Elle a bien rattrapé la Jocelyne. Je vais changer de prénom, c'est trop difficile de changer de prénom. Quand t'es habitué... Et voilà. Moi j'aime bien Jacqueline, je trouve que ça chante en plus. Et... Tu vois ce que je veux dire? Mais non, la carrière criminelle, mais on veut pas aller en taule, nous, hein, Jacqueline? Là, c'était le Hulk. Bah là, vous aurez le best-of qui arrive, là. C'est chanson à gogo. Quand j'ai commencé à mettre tous les clips, j'ai fait, mais en fait, je passe mon temps à chanter. Il y a je sais pas combien de trucs où je chante tout le temps. J'ai mis d'accord, bah ça va être sous le signe de la chanson, du fou rire, et quelques cris, et quelques rots. Hein, parce que vous savez bien que je rote tout le temps aussi. Aïe, 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 aïe. Mais beaucoup de chansons. Ah oui, mais non, Iruline. Ah putain, ça me gueule dans les oreilles. Bah non, parce que elle est censée avoir le niveau 10 de la carrière, donc elle peut pas accepter un travail. Là, c'est juste un travail, en fait. Tu peux pas accepter un travail. C'est pas possible. Le bébé va dodo, sans faire caca dessus. Bon, ça, c'est toi qui le dis. Nous, on n'a pas été vérifiés. Des bisous, non, bébé. Petite Shirley, c'est cela. Oui. Allez, bisous, mon soldat, dors bien dans ton petit couffin. Avec ton petit doudou, en forme de... Chouchou. Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. Le bernacle. Bah, et le passage aspirateur, c'est aussi en bas. Ok.
Après, tu vas y discuter avec ta belle-sœur. À s'enthousiasmer à propos des jeux vidéo. Et du coup, elle est montée à quoi? Non, c'est ici. Mixologie. Elle est un peu en retard en mixologie. On va lui faire faire des boissons. Voilà. Pour qu'elle améliore son skills. Perso, je suis là pour l'humour et les chansons. Ouais, le gameplay, c'est tellement pourri, t'as raison. T'as bien raison, ton gars. J'en ai aussi un de doudou, mais non, mais il y en a plein de gens qui ont des doudous. Moi, j'en ai pas. Et salut, Gigi, comment vas-tu? Et bébé qui pleure, et bébé qui casse les noix, et bébé qui s'est fait caca entre les deux fessiers. Ah, je m'en vais. Je préfère encore regarder ta mère qui fait joujou avec les gobelets que entendre hurler un bébé. Le nouveau rire et chanson, c'est ça. Oh, il y a un peu de tout. Il y a de la chanson française. Tout ça, tout ça. Et ça va, Gigi. Merci. Ah, putain, j'en perds ma... J'en ai bavé sur ma main. Niveau 4! Elle peut courir! Pourquoi t'es colère? T'as la dalle? Ah bah, faut aller le dire, Jeannette! Bien sûr, dédicace à toutes les Jeannettes qui nous écoutent. Elle va pister, toi. Hein? Voilà, tu vas faire pipi. Elle est partie de ta belle-sœur. Ouais, il y a un peu l'heure aussi. Elle va aller boustiffer. Elle est bientôt son anniversaire. 4 jours. Elle va grandir vachement vite, hein, Nila. Elle sait déjà tout faire. La meuf, elle va bientôt rentrer à l'université, quoi. Je t'ai pas mis de lumière. Aziz ! Lumière. Bon, je dis toujours un peu les mêmes choses, hein. Vous boirez bien un petit coup. Eh. Waouh. Ah ouais. Je veux un petit gin fizz, s'il te plaît. Ou si t'as pas un mojito, ça va aussi. Vous prendrez quoi, vous, dans le chat? Wow. C'est une vieille peluche, ma petite maman, que je garde pour dormir. Oh. Alors moi, j'ai rien. À part ma solitude pour dormir. Ah! Voilà. Comment elle frime? Ah non, je frime pas du tout, non. Margaritas! Comme la pizza? Waouh, elle arrive à tous les rattraper. Ah, ça y est, elle a chaud. Ça, c'est la chaleur. Hein, c'est... Tchou! Oh, c'est si mignon. Cool. On va accélérer un petit peu. Qu'est-ce que tu vas faire? Manger faux sandwich. Elle va dormir, ouais. Il est minuit. Sale gosse. Je pense que toi aussi, tu vas aller dormir. Hein. Tu vas aller te faire une douchette. Et un dodo. Il te reste combien de temps? Allez, 2 heures. Après, on est tranquille. Ah, et la petite, elle... pleure, et elle pleure, elle ne s'arrête jamais, et elle pleure, et elle pleure, un jour elle va me rendre tarée, à toujours se chier dessus, mais comment veux-tu, qu'on s'en sorte, la 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 la,
Un truc comme the... Sex on the Beach. C'est bon, c'est vrai que c'est bon ça. T'as encore ta maman, c'est déjà bien. Oui. Mais je dors pas avec elle non plus. Faut pas déconner. Oui, je sais, petit cœur, t'inquiète. J'ai mon gars qui me couvre de peluche. J'ai beau lui dire que c'est pas mon truc, il continue, j'ose pas m'en débarrasser. Oh putain, ah non, mais moi je peux pas. Je trouve que ça fait trop de trop enfants. Moi j'aime pas les enfants. Et là, il y a toute la, les trois quarts du chat qui vont faire « Ah, je l'aime plus !» Après, c'est comme ça. Hein. Vous avez le droit, hein, tant que vous me l'imposez pas. Attends, elle continue à gueuler. Qu'est-ce qu'elle veut? Ah! Arrêtez tout! Elle a grandi! Et c'est une rousse. Et c'est une rousse qui n'est pas là. Elle a disparu. Elle gueule comme ça. Elle a bouche grande ouverte. Et petit poil au cul. Je bouigne. Voilà. Oh, elle a les cheveux de papa. Cette fois-ci, elle a vraiment les cheveux de papa. Je pense que sa sœur avait les cheveux de sa maman. Merde. Credi. Oh! Elle est mignonne. C'est quoi les neuils? C'est les neuils de papa. Oh. Par contre, tu t'es trompé de couleur, hein. C'est bleu, pas rose. Oh, qu'elle est belle! Je les abonne. Tiens, j'ai 10 peluches qui dorment avec moi. Ça m'étonne même pas de toi, Guillaumus. T'as raison, je résilie mon abonnement. Allez-y! Partez tous! J'aime pas les enfants parce que je suis une enfant. Bah d'accord, super. Ceux qui ont des enfants peuvent comprendre, c'est un sacré défi à relever. Non, mais y a pas de soucis. Hein. Elle a les yeux et les cheveux de papa. Alors que sa sœur, les cheveux et les yeux de maman. Parce qu'elle avait les cheveux roux, mais c'était un roux qui n'était pas celui de son papa. Et voilà, Céleste a vieilli. Elle sera 1, 2, 3, pot de colle. Elle est trop mince. Pourquoi il y a une ombre? Bah, y a plus. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est bon. Tu peux être couché. On va s'occuper. Moi, je vais m'occuper de la petite. Là. Je vais m'occuper de ta fille. Oh, elle est trop belle. Oh, ça a pourri. Zut. Elle est trop belle. C'est vrai que je peux... Hop, on gagne des sous. Wow. Suis-je bête? J'ai oublié qu'on était millionnaire. C'est pas bien grave de gagner 10 flous par-ci par-là. Elle est trop mimi. Elle est trop cute. Elle est trop belle avec ses cheveux bleus foncés et ses yeux bleus clairs. Ouais, elle sera en nuance de bleu, quoi. J'arrive pas à voir ce des fois dans les... Rien que quand ils sont bambins, on peut déjà déterminer un peu à qui ils veulent ressembler. Mais là, en jeu, j'arrive pas trop à voir. Bon, en général, quand ils ont les traits de couleur d'un des parents, ça va être le physique de l'autre. Ce que j'ai remarqué, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Bichette? Ah, t'es fatigue? Ah, bah écoute, ta soeur, elle a squatté et va faire une sieste sur le canapé. C'est pas grave, c'est très confort. Oula. Elle est trop mimi! Elle va être trop belle. Ben ouais. Ah, Titi! Titi, il en a rien à foutre.
j'en profite pour enregistrer. Tu peux refaire une sieste, Bichette. Fais-toi plaisir, hein, franchement. Ne t'arrête pas pour nous. Attends, Jean-Guy. Attends, Jean-Guy, tu vas faire à manger. Manger, servir le petit déjeuner des pancakes. Ah, il est en chaleur, lui. Bon, elle... Non, mais Janine... Ton mari, il va te faire à manger. Qu'est-ce qu'il fait? Je lui ai dit de faire des pancakes. Il y va pas. Je viens passer un coucou de rapide. Je suis terrassée, bossée toute la nuit. Oh la vache. Des bisous, Adrolis, comment vas-tu? Oui, t'as vu, elle est trop belle, la petite. La petitesse. La petitesse célestesse. Cathy Petit, t'es morte. Cathy Petit, tu es morte et enterrée. On ne va sûrement pas venir te déterrer. Oh non, non, non. Jamais de la vie. On te laissera sous terre toute moisie. Oh. C'est ça ce que tu racontes? Alors, ok, super. Oh. Oh. Ah, bah elle veut plus. Allez, vas-y, tu me saoules. Mais tu me sors par les trous de nez. Putain. Ah, tu m'agaces. Oh, tu m'agaces. Tu remets cette assiette dans le frigo. Rrr. Mais casse-toi. Ne reviens plus. Le courrier a été distribué. Ouais, je... Hein? C'est qui celui-là? Oh, oh, Francis. Oh, Francis, elle a une belle moustache. Oh. J'allais vous chanter une chanson de Francis, mais d'un seul coup, je ne sais plus les paroles. Oh, petite Marie. Non, je ne sais plus, Francis. Tu es beau, Francis. Tu as une belle moustache, ma Francis. Voilà. Là, elle est contente. Elle est bourreau du travail. Elle va travailler. Attendez-vous, j'ai même droit à une attaque de troll en live tout à l'heure. Ça m'attendrait à pas utiliser Wisebot. Hein? Francis, c'est ça. Bon, tu sais, les attaques de bots, ça n'a rien à voir. Hein. J'en ai une aussi avec Wisebot. Hein. Donc, c'est... ça n'a rien à voir. It is nothing at all. Qu'est-ce que c'était ça? Spécialiste des soins pour soi, gagner des sinflouses. Après, on l'a fait, on n'a toujours pas commencé. Tant qu'il s'occupe des enfants, il peut pas tout faire. Ah, bah tu vois, elle pue. Ta fille, elle pue duc. La fille, elle pue duc. Ta fille, elle pue duc. Ta fille, elle pue duc. Et tu vas donc laver cette petite fesse. Nila, on va te laver les fesses. Pas une attaque de bot, bien des trolls en chair et en os. Ah, d'accord, ok, pas de soucis, oui, j'avais pas compris. La cabane au fond du jardin. On est bien quand il fait caca. Pourquoi faut toujours que ça tourne autour des fesses chez moi? Quelque chose vient de tomber sur les larmes de ton plancher. C'est toujours le même film qui passe. Et là tu fais... C'est quoi ces paroles en fait? Pourquoi il y a que truc qui tombe sur le parterre? Ouais, on s'en fout. Et le même film qui passe, ce film de quoi? Et où? Et comment? Et pourquoi en fait?
Ah, on doit impressionner le El Patronus. Alors, El Patronus, on va faire un petit sondage, évidemment. Alors, est-ce que c'est Heursup ou la tâche? Oh, punaise, je sais pas écrire. Et puis en plus... Voilà, et puis en plus là, j'ai fait un A au lieu d'un E, tout va bien, tout est normal. C'est parti pour une minute, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est dans l'espace chat, n'hésitez pas à refresher, vous ne voyez pas le sondage apparaître dans l'espace chat, et c'est tout de suite que vous pouvez vous exprimationner pour décidationner de ce qui va se passionner. En vrai, je débute sur un signe dont j'apprends, ouais. Quelle imitation. Pourquoi ça tourne autour des fesses l'effet cucu? Bah, je suis la reine des culs. Qu'est-ce que je suis flou, 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 flou. Peut-être que ça rend pas du tout pour YouTube en enregistrement, mais là, c'est un peu saccadé. Je peux faire le robot. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. C'est toujours même film qui passe. Même film qui passe. Toute seule au fond de l'espace. Personne danse. Non, personne. Tout. Oh là là. Et donc, c'est les heures sup à 57%. C'est parti, mon zizi. Et c'est un petit gain de perf. Un petit. Mais c'est toujours ça de prix, comme on dit. Voilà, bien. On monte petit à petit. On fait notre nid. Je crois que ça fait 57 simflouz. Tant mieux pour toi. Hein. Et l'autre, elle dort tout le temps. 11h du matin. Alors, une fois que papa, il va s'occuper de toi. Voilà. Donner le soin du bébé. Non, on s'en fiche, on va pas la changer de tenue. Hein. Qu'est-ce qu'on va te faire faire? Éducation. Bah attends, elle vient à peine sortir du berceau, Jean-Guy. On va faire un câlin. Et elle veut quoi? Mais elle est toujours buggée avec son sandwich, celle-ci, par contre. Hein. Alors on va la déboguer. Paf! Voilà, ça va mieux. Elle a plus son sandwich. Et tu vas pouvoir venir ici et discuter avec ta sœur, parler de super-héros, babiller, parler d'art, évidemment. Alors moi, vous voyez, De Vinci, j'apprécie beaucoup. T'as 2 ans, oui, mais j'aime beaucoup De Vinci. Ah bah, il s'est chopé une allergie au gosse, lui. Ah bah, tu m'étonnes. Quand tu sors pas de chez toi et que tu vois que ça... Ça cringue. Oh la saleté! Elle lui a repoussé son câlin. Oh, oh la le petite... Toute seule au fond de l'espace! Personne devant. Personne. Va te laver un coup parce que les filles elles vont discuter entre elles là. La grande sœur va expliquer à sa petite sœur que la vie c'est comme ça. Voilà voilà. Alors tu vois les filles elles ont un chapeau pointu avec un voile au-dessus. Ouais parce que les autres elles vont pas et c'est pas des. La vilaine papa est malade, c'est dégueu. Ah par contre, un câlin de sa sœur, ça dérange pas. Hein. Bah non. Voilà. Papa, il a des plaques toutes rouges et qui collent et qui suintent. Hein. Sale. Toute seule au fond de l'espace. Elle peut toujours pas aller au pot, celle-ci. Bon papa, une fois que t'as fait ça, tu vas prendre au pot à la petite Céleste. La petite Céleste qui va apprendre à aller au popo.
Il faut, hein, les enfants, il faut. On va travailler dur pour Janine, là. Non, pas normal. Révolution. Je reviens. Rina. Ben oui, bien sûr. Mais tout est normal. N'inquiétez pas. Oui, bah, ok. Alors, ça va, Titi? Tout va bien? Donc, c'est ma tablette qui est tombée de mon lit parce que je l'avais posée sur mon lit. Et Jamie s'est planqué en dessous de là où je l'avais mis. En fait, il s'est mis en dessous. Je l'avais posé sur un coussin, il s'est mis sous le coussin. Donc ça fait tout tomber. Et la voix, c'est ma caméra de surveillance qui a parlé. Je ne sais pas pourquoi. Jamie a mis son popotin dans la plante. Non, non, ça avait fait tomber autre chose. Comme d'habitude. Alors, c'est l'heure du popo. Attends, tu viens venir voir ta sœur au lieu de faire des conneries là? Amicale, regardez. Voilà. Tu viens tout de suite. Bah ouais, elle s'est baladée de l'autre côté, elle. Forcément, ta tablette était le meilleur endroit pour Jamie. La tablette va bien. Bah écoute, je verrai ça ce soir. Bah, vers la caméra. Bah, il y a peut-être une coupure de wifi ou je sais pas. Parce que ça... là, si elle parle, c'est que c'est peut-être pas connecté. Je sais pas. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il se passait un truc sur le PC. Je sais qu'est-ce qui se passe encore. Ouais, je voulais regarder avec la vision de la petite fille. Oh, elle a sa voix dans le miroir. Mais pourquoi elle pleure? Oh, elle fait un gros caca qui pue. Bah, tu peux la re-regarder. Ça te fait apprendre comme ça. Voilà. Niveau 2. Merveilleux. Ça, je l'avais... Il me semble pas que je l'avais fait avec... la première fois, le channel 7 bambins. Maintenant, je saurais le faire. La 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 la. Et toi, tu vas y aller maintenant parce que tu sais y aller toute seule. La 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 la. Et toi? Bah tu vas regarder ta sœur maintenant aussi. Nya, 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 nya. Comme ça, elle apprend. Amicale, regardez Neil. Regardez-moi ça. C'est glauque tout ça. De quoi? De regarder... d'observer sa sœur en train de chier? Qui ne l'a jamais fait? Oh, putain, en plus c'est un gros pet qui pue là. C'est pas un gros pet, c'est un gros caca. Et voilà, et en plus... La pauvre gamine! Non, non, tu vas pas... Mais c'est pas vrai, mais elle fait que... Elle veut que faire des quoi. Je veux pas que t'ailles, point. Je sais pas, moi, joue avec ta sœur. On va jouer quand vous... On peut pas jouer à deux sur... Aider pour la tour. Allez, vas-y. Aide pour la tour. Ah non, c'est papa. Ah, excusez-moi, je pensais qu'elle pouvait aider pour sa petite sœur. Eh ben non. Aide pour les formes. Construire une tour. Mais là, elle va me dire, ben non, il y a déjà l'autre qui est dessus, hein, t'es con quoi, toi? Ben excuse-moi, elle me suis dit que peut-être, éventuellement, tu pourrais quand même faire quelque chose, quoi. Voilà, c'est super.
Astiqué à la perfection, évidemment. Pas vraiment, ah. Je pensais. Je pensais que c'était commun. Alors, comment va notre amie Pom Pom? Elle va rediscuter avec les collègues, ça fait rien, va travailler dur. Bon, après, on a déjà gagné un niveau, on peut pas gagner deux niveaux, quoi. En si peu de temps, ce n'est point possible. Et voilà, 624 Simflouz. On va faire de la programmation. Tu vas manger aussi. Oui, oui. Je pense qu'il faut que tu manges un peu. Après, tu iras pisser. Et après, c'est ordinateur, mon amour. Programmer, tu vas faire une application mobile parce que c'est trop bien. C'est un ami, nous devons dire oui. J'ai tendance à oublier ça, c'est vrai que j'ai tellement envie de envoyer bouler les gens que... Après là il vient, donc ça c'est pas dérangeant. Ah! J'aime pas quand vous donnez à boire aux bambins, parce qu'après ils doivent se faire dessus. Je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas du tout ça. Voilà. C'était... C'était mon avis sur... sur les pancakes, Là-dessus quoi. Ah, elle a répandu des ragots douteux sur le Hulk, lorsqu'il est là dans la maison, le pauvre petit chaton. Aïe, aïe, aïe. Le retour infernal. C'est moi qui casse tout. Coucou le chat. C'est moi le chat qui casse tout. Hein, petit con. Aïe, aïe. Le frère de ma Sims, qui est mon Sims homonyme, vient de gagner à la loterie. Eh ben c'est bien. C'est peut-être péremptoire, ouais, carrément. Mathias a débloqué le site de vie Sims sociable. C'est bien. Et les poupettes, elles discutent. Ah, il y a des puces. Chamonchouche. Ah, mais t'es tout mouillé, là, avec ton nez, là. Avec ton vieux pif. Tu vas enlever la nourriture gâtale. Quoi? Pourquoi tu peux pas servir le dîner? Ah, il est là. Ah, avec ton nez là, arrête. Oh, des spaghettis. Tu ronronnes fort ce soir. Hein, Jamie, tu ronronnes fort, il paraît. Sûrement quelque chose à se faire pardonner, hein. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie encore? Avec ton nez mouillé dégueu là. Oh là là, oh maman, je m'accroche. Voilà, elle s'adonne à la prog. 84 heures sur 100. Qu'est-ce que c'est? Ok. Vous avez un nom quand même un peu compliqué, monsieur. On ne vous connaît pas, donc on vous ouvrira pas la porte. Ah, ton nez mouillé dégueulasse. Ton nez mouillé dégueulasse. Ah.
Non, mais il est martyrisé, ce garçon. Hein. Vous voulez voir sa tête quand si je touche au pchit d'eau qui est sur... Là, il est sur le bureau, hein, il est à côté. Hein, Jamie? Regardez sa tête. Jamie. Jamie. Et là, il va lui faire un câlin, alors que d'habitude, il en a une peur bleue. Non, mais tout de ma gueule. Hein? Tu veux le pchit? Il me fait mentir à tout ce que je raconte. Tu te fous de moi, toi. Tu l'as pas reconnu, hein? Tu t'es dit, bon non, elle va pas m'asperger, je suis en train de faire un décalin. Ah, m'empêcherait pas, hein? Moi, ça me rafraîchirait, comme ça parle. Ça me rafraîchirait. Limite, je l'entends plus moi, lui que moi, quoi. Attends. Ah là là. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Éducation, discipline et sévère hurler. Ouais, moi, je fais de l'urlation tout de suite. Hein. J'urlationne direct parce que je trouve que bah il faut pas déconner. Eh oui, c'est le gosse, ouais. La boîte mignonne. Ça empêche pas. Oui, un beau cuisseau là. On va faire rôtir ça ce week-end. Un bon petit cuisseau. Ouais. Un bon petit cuisseau. Y'a pas trop de gras, ça vient. Boum! Allez hop! Tu vas glisser ici. Non, tu mords pas! Faire une sieste par terre. Mais biche! Oh non! Ah oui, bah sa soeur, elle est déjà en train de squatter. Mais va dormir sur le canapé! Quelle tristesse! Qu'est-ce que tu vas faire? Ramasser. Ah, la poubelle! J'avais pas reconnu, j'ai dit c'est quoi ça? C'est un nouveau truc? Ils nous ont mis des pranks là, des nouveaux trucs, des cadeaux, des trucs. Des trucs. Et en parlant de cadeaux! Ouvre un cadeau. Il y a encore des cadeaux à ouvrir. Là, l'autre, elle dort. Ah, c'était un cadeau de merde. Un morceau de charbon! Effectivement, c'est pas terrible. Hein. Mais arrête avec tes puces, là. Mais t'es dégueulasse comme mec. Qu'est-ce que tu manges, toi? Tout à l'heure, j'ai épluché mes légumes, ils étaient fous. Alors, je leur ai donné les pelures. Il m'a bouffé une pelure de courgette, ce con. Hein? Je sais pas, ils avaient l'air excités d'avoir des pleurs des pleurs de légumes, alors je leur ai donné. Regardez la tronche qu'il a. Oui. C'est dur la vie. Oh là là, je suis dur la vie. Je suis dur la vie de chaton. Dur la vie de chaton. Qui n'en veut 100 000 euros. Ah oui, non, les prix ont... Bah, le prix a flambé. Hein, mais... Regardez le bestiau. N'hésitez pas. Je m'assure mes arrières, moi, comme ça, à 100 000 balles. Je pourrais vous montrer ses attributs, mais on va pas... Voilà. Pour l'instant, il est entier. Hein. Bientôt, il sera estropié. N'hésitez pas. C'est maintenant ou jamais. Vous envoyez votre chèque et je vous l'envoie par la poste. Céleste le bambin qui dort tout le temps. Oh, il faut bien. Il va être minuit. Oh, l'esprit de Totoya est en train de disparaître. Quelle tristesse. Avec ou sans le raisin? Pour l'instant, il est avec le raisin. Donc, à vous de voir. Si vous vous dépêchez pas, il en aura plus.
Si vous voulez des bébés de ce monsieur, ce sera avant. Hein. Le temps est compté pour les petits raisins. On dirait qu'il est stone. Non mais tout le temps. Hein. Je peux pas, mes lapins seraient pas d'accord et mon mec est allergique. Ce serait une tentative d'un peu meurtre de prendre un chat. C'est une... Ça peut être une piste, hein, si tu t'entends un jour, tu t'entends plus avec lui. Calin au micro. Oui, câlin micro. Mais câlin micro. Et tape-tape au micro. Oh, petite popate. Voilà. Je te tiens au courant si jamais. Bah oui. Après, il perdra de sa valeur, hein, sans les raisins. Bon, allez, on va aller la coucher, la Janine, parce que... 89 heures de PC. Elles sont déjà stérilisées, les miennes, et on le séparerait jamais de sa maman, Jamie. Ah oui? C'est qui ta maman, Jamie? C'est moi? C'est ta maman chat? Faut pas être méchante, mais tu me connais plus, moi, que elle. Comme eux-mêmes. Faut savoir le souligner. Parce qu'elle t'a rejeté. C'est même pas vrai, t'as été arraché à ta maman. Hein? T'as été arraché à ta maman quand tu étais petit chaton. Tout petit chaton. Faut que j'arrête avec ce chat. Coucou! Allez, salut! Tu descends? Tu vas aller voir si l'herbe est plus verte à côté. Bon! Voilà, elle se rendort. C'est merveilleux. That's marvelous! Ouais, on dirait qu'elle veut s'étouffer dans le canapé, la pauvre. Elle a la tête dans le canapé, quoi. Aspirer dans le canapé. Non, tu réveilles pas ta mère. Non! Mais comment tu peux la réveiller alors que vous êtes pas au même étage? Ça, je comprends pas. C'est pas logique. I don't understand what is doing. I don't. Oh, quelque chose vient de tomber. Non, elle a pas rejeté. Moi, j'en sais rien. Je pense pas. Non, mais bon, comme lui et sa sœur, ils mangeaient déjà des croquettes, donc en fait, les propriétaires ont dit, oh bah, ils sont sevrés. Bah non en fait, pas encore. Ah, ils sont sevrés, on peut les vendre. Oh, quelque chose vient de tomber. Ah oui, toi, t'as une sacrée dalle, Jeannette. Hein. Ouais, ils sont encore en train de se gratter tous, là. Oh, ça m'agace. Ça m'agace. Et tu vas passer l'aspirateur, tiens. Hein, Jamie? Oh oui, va venir voir maman. Ah, j'ai eu le malheur de l'appeler. Hein?
Il faut vite que tu viennes me voir, hein, oui. Voilà. C'est dur la vie de chaton, hein. Oui, c'est dur la vie de chaton. Elle a éternu, lui, il a des plaques. Attends, c'est elle. Ouais. Ah, t'es nickel ce matin. Tu veux pas jouer un petit peu? Jouer un jeu en ligne. Ouais, vas-y avec le Hulk, je m'en fous, et Marina. Ouais. Il te reste pas longtemps, on va aller taffer, hein. Mais bon, c'est pas grave. J'ai le temps que tu mets pour aller dans ton canapé. Oh là là. On dirait que je le dérange. Normalement, si elle rejette, c'est qu'il a possiblement un problème de santé à venir. Tu m'as fait peur. C'est nous, ça c'est important, bon sauvage. Bah ouais. D'où. Oui. Oh oui, mon fils. Oh oui, petit chaton. C'est ça qu'il est accro, ce gamin. Ah, il va lui raconter une histoire. Ils sont chiants, ils sont toujours tous malades. Ah, t'es chiant. Il est 22h22. Voilà, c'était pour dire. Et elle est... Ouf, pardon, chef, j'ai pas vu l'heure, j'étais en train de jouer. Ça, c'est pire quand même que de dire j'ai loupé le réveil. Croyez-moi. Mais tu descends un petit peu là. Tu me laisses un peu tranquille. Loulilou. Ah là 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 là, tu vas révolutionner les concepts. Non, Jamie, tu descends. Ah, oh, je veux pas que tu ailles sur le bureau faire des conneries et manger mes trucs là, mes raisins et tout, ça suffit. T'as déjà les tiens, occupe-toi de tes raisins tant qu'ils sont là. Alors, nous avons elle qui doit aller sur le pont d'Avignon. Tu vas te réveiller et tu vas aller voir ta soeur qui fait pipi. Puis après, t'iras manger. Promis, juré, craché, ravalé. Tout ça. T'as faim? Bah va manger. Des bons spaghettis à 11h du mat. Le tel vient de lâcher un énorme paix. Et elle fait... Oh! C'est bien. J'enlève informatos de temps. Manque plus que la météo. Mais non, parce qu'en fait, j'arrête pas de tomber sur des heures miroirs ces derniers temps. Je sais pas, ça me... Je sais pas. Oh, c'est une dame. C'est plus notre mate favori. Ah d'accord, il y avait plus de pancax. Il en restait 7. Je crois que Elle aimait pas les pancax, elle s'est dit « Oh, ça traîne, je jette. » Ça ne m'étonnerait même pas de sa part. Et lui, il s'est rechopé des plaques. Ouais. Pendant ce temps, Pomme d'Api, elle travaille une offre capitale.
On commence à parler des prouesses en programmation de pommes sur le dark web. Elle pensait n'avoir laissé aucune trace de son identité, mais un groupe d'investisseurs providentiels de la Silicon Valley frappe à la porte de son bureau avec une offre alléchante. Ils l'avertissent que même si ses idées d'entreprise sont techniquement en phase de préfinancement, ils aimeraient lui offrir un soutien financier en échange de la possibilité d'investir avant tout le monde dans tous ses projets à venir. Pomme va-t-elle accepter les Simflous ou garder son indépendance? Accepter l'investissement, Pomme augmentera sa notoriété et gagnera de l'argent, ou elle garde son indépendance, il n'y aura qu'un changement dans la vie de Pomme Pop. Vu que ce n'est pas une perte d'emploi, eh bien nous pouvons faire ce sondage. Alors, est-ce que l'on accepte l'investissement? Où est-ce qu'on garde l'indépendance? Et vous avez une minute pour voter, et c'est maintenant! Tout de suite, si vous ne voyez pas le sondage, n'hésitez pas à refresh, puisqu'il apparaît dans la partie chat de votre live préféré. Moi aussi, je n'ai que des heures miroirs, si c'est mon ange gardien, il va falloir trouver une autre méthode pour communiquer. Moi aussi! Est-ce que là, quand tu les regardes, est-ce que les significations te font... Ouais. Mais en fait... Non. Voilà, voilà. Ouais. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas, il vous reste quelques petites secondes pour voter. Voter, 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 voter. Et accepter à 70%. Vous êtes de moins en moins à voter, hein. Je dis ça comme ça, pas grave. Allez, on accepte. Et c'est une vedette débutante. Brrrah, j'ai pas regardé combien on avait gagné. Et repéré par TechSim. À la seconde où les Simflous sont arrivés sur le compte bancaire de Pomme, le blog en ligne TechSim a posté un article présentant Pomme et comme le nouveau gourou à la mode qui fait des vagues dans la Silicon Valley. Pomme a eu la surprise de recevoir un SMS des nouveaux partenaires commerciaux qui lui annonçant qu'ils avaient payé pour que l'article soit publié au moment même de la conclusion de leur accord. Après tout, ils doivent promouvoir leur nouvel investissement. De toute évidence, Pomme vient d'entrer dans un tout nouveau monde professionnel aux enjeux élevés. Po, po, po. Oh oui! Mais ça sonne... Eh, faire une promotionnette? Une promotionnette? Merde, je me suis trompée. Je voulais faire ça. Ah, ça a baissé. Je vais pas trop jouer. D'ailleurs, je vais enregistrer la partie. Mais c'est ça, tu te dis, bah non, c'est pas moi ça, c'est ça. J'ai même pas vu qu'il avait foutu de la peinture. Je suppute que ce soit cette drôle de petite. On va construire une tour. Ah, petite chapoune, elle va faire un... Papa, papa, je veux aller faire caca pipi dans le pompon. Ah oui. On a tout sommeil, apparemment c'est calme. Et je vous l'ai dit que ça serait calme à bout d'un moment, qu'il n'y avait plus personne qui parlerait. I know. Mais quand même, vous dormez tous parce que vous votez même plus. C'est triste. Je sais pas, ce mercredi, il est très calme, je trouve. Ça arrive, hein. Pourtant, il y a des enfants et tout, hein. Oh! Attendez. Vous voyez rien. Parce que cette caméra fait pas la mise au point, donc... Bon.
Ne faites pas attention à ma manucure incroyable. Hein. Je retrouve dans ma poche. C'est un petit coquillage que j'avais ramassé à la plage quand j'étais mes vacances. Très loin déjà. Un signe peut-être. Un signe de quoi? Un signe que je vais devenir un coquillage? J'ai juste oublié de l'enlever de la poche de mon jean. En plus, c'est passé au lavage. Hein. J'ai oublié de le... Il était au fond, mais je l'ai pas vu. Ouais, coquillage des vacances. C'est comme ça. Parce que j'ai un mouchoir, en fait. Et je me dis, c'est quoi le truc dur au fond? Bah oui, c'était ça. Je viens de le capter que maintenant, sinon. Allez, là, Jeannette fait un gros caca qui pue. Ah, puis il faudra que... Te divertir et te laver. Bon, bah, papa, il va t'emmener au bain après. Elle a pas eu de bain encore, elle, la pauvre tchotte, là. Donner un bain. Ah, et puis en plus de ça, il y a la poussière à faire. Allez, ouais, trop bien. Et Kaflouf ? Allez, Kaflouf. Et Kaflouf, et Kaflouf. Qu'est-ce que tu peux faire, toi ? Oh, il y a Tati ! Ouais, mais Tati, tu la quoi ? Tu veux pas lui parler. Être impatiente et tu vas ouvrir un cadeau. T'es une bambine. Un cochon de Charlotte ! Pensez à toutes les Charlottes du chat s'il y en a. Elle a reçu un cochon. Et salut My Mystique Amnésia, merci beaucoup pour ton deuxième mois d'abonnement. Comment vas-tu? Bonsoir. Merci. Gros bisous à toi Ismaël Boule, merci pour le soutif. Un cochon de Charlotte. Ah, c'est un bouquin. Mais non, mais elle a eu une deuxième promotion. Non, pas au bar, au bain. Peut-être que j'ai dit bar, alors. Et une seconde promotion pour Pompote. Incroyable. E-sportif professionnel. 121 Simflouz de l'heure de 14 à 23. Ou entrepreneur de start-up. 10h-17h à 98 de l'heure. Incroyable. Bah écoutez, ça va être un sondage ça aussi. Je vais vous réveiller un petit peu parce que... Comme même. Alors, e-sportive ou start-up. On va vous faire 3 minutes. Je vais vous réveiller, hein. Mais oui, c'est clair. Elle est où la poulette? C'est honteux. C'est pour réveiller ceux au fond de la classe. C'est parti, hein, le sondage a été balancé. N'hésitez pas à voter. Est-ce que vous voulez qu'elle devienne e-sportive professionnelle de 14 à 23 heures, 121 Simflouz de l'heure, ou entrepreneur de start-up de 98 de l'heure et à 10-17 heures? Très bien. Voilà, hein. Voilà, c'est, il faut de temps en temps, il faut réveiller, hein. Ah ! Alerte psychopathe. Regarde, maman, un psychopathe. Voilà. Ta gueule ! Ça aussi, c'était pas mal. Ça, c'était pour réveiller les gens qui dormaient. N'hésitez pas à voter. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour savoir qu'est-ce qu'on fait comme carrière, sachant que bon, c'est flou. Hein. Je crois que dans les règles, c'est pas écrit. Hein. Je l'ai lu tout à l'heure. Donc. Maximum de la carrière gourou des nouvelles technologies. Donc en fait, l'un ou l'autre, on s'en carlefion. Et merci pour vos votes. Évidemment. Non, parce que des fois, il y en a qui se font faire autre chose. Et puis d'un seul coup, s'ils entendent des bruitages, ils disent quoi. C'est pour ça qu'il faut que je les réveille un petit peu. Après, vous les connaissez tous déjà, mes trucs. C'est la
fête, c'est la fête. Ce niveau me prend la tête. Ce gameplay pourri me saute. J'ai mangé ma manette. Piège à loup dans les trous. Nous on aime prendre les coups. Ah bah bravo, mon cheval finit dans l'eau. Catastrophe, c'est fini. Regardez, j'ai plus de vie. Jeu pour les fillettes. J'en ai vraiment plein le cul. C'est bon, j'arrête. Vinaigrette, je prends ma retraite. Voilà. Faut bien vous occuper de temps en temps aussi. Hein. Voilà. Pendant encore quelques secondes, vous pouvez voter. J'espère qu'il y en aura beaucoup. Ah oui, JDG, évidemment, JDG, comme même. Hein. Voilà, on reconnaît les vrais. Bravo, Iruline. Voilà. DJ Shirley, ça va, j'ai 3 sons et demi. Il y en a qui ont mieux quand même. Et c'est entrepreneur de start-up à 98 simflous de l'heure, 10, 17 heures. C'est parti. Vous êtes 76% et c'est validé, Poilonnet. Pomme a été promue. Oh là là, et ça, c'est bien ça. Oh, on dirait qu'elle va péter. Elle a été promue la prochaine étoile montante. Elle gagne désormais 20 simflous de plus par heure, soit 98 de l'heure au total. J'aimerais bien gagner autant. Elle a également reçu en bonus 933 simflouz et un tapis coup de génie. Ah, braval ma petite, braval, qu'est-ce qui t'arrive? Sous emprise, accepte l'offre d'investissement. Ah bah écoute, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein. Tu vas dire bonjour à ta sœur qui est visiblement... qui a l'air con, comme ça, devant la porte, à attendre 3 ans. Ça arrive. Mais c'est ouf, hein! Du coup, on en est, là, niveau 7. Il faut qu'elle fasse de la pro-pro-gra-gra-mama-sion-sion. Et elle s'est pris le mur en pleine gueule. Magnifique. C'était incroyable. Quelques petits problèmes de pathfinding pour les Sims, hein, ces derniers temps. Retourner dehors évidemment pour discuter. Épicer. Et puis après, ah, on va la détendre un peu le Sglore. On va jouer au refuge un petit peu. Et après, elle pourra programmer. Continuer à créer son application mobile. Voilà, voilà, voilà. Tendu plus 2 quand même. Lul qui vient jamais voir sa soeur. Si, mais il est passé la veille. Comme même. Alors, et tiens, petite chatoune, petite coquette, viens, sois impatiente et ouvre un cadal de Noël, vu qu'on est presque à la moitié du printemps. Franchement, on s'en fiche, hein, en vrai. On s'en fiche bien de la taille, de la taille, de la date, de la taille. Pareil qu'il faut qu'on s'en fiche de la taille, mais... même, hein. Ça fait 3 cm, ça fait moins envie. Bonne nuit, Pyria, des bisous. On a fait une belle avancée, hein, même si c'était pas nous, mais c'est une belle avancée. D'ailleurs, en parlant de belle avancée, je vais sauvegarder. Ah oui. Ah, Toya, le retour. Qui nous casse les chiotas. Et sinon, tu peux illuminer la journée et partager les astuces. Ah bah, tu vois, il est là, le Hulk. Tu vois qu'il passe. Mais toi, toi, t'as... Mais toi, t'es... alors... Toi, ma chatoune, tu vas aller à pipi. Toi, t'as pas encore ouvert... Oui, c'est ça, je voulais regarder si c'était quoi, mais en fait, t'avais pas encore ouvert ton cadeau. Très bien. Tout va bien. Petite travailleuse ou grosse feignante, c'est ça. Un téléviseur pour enfants, Pingouin Vision.
Bah tranquille en fait, Père Noël, il a été sympa avec la petite, hein. Mais il va jouer, je sais pas. Elle se fait chier, la pauvre gosse. Est-ce que t'as appris à aller au popo toute seule ou pas encore? Oui, normalement, c'est bon. Mais t'as un vie... Invite-les, hein. Parce que bon, t'as Pomme qui bosse, donc... Bon, ça y est, d'ailleurs, arrête, parce que... Non, elle bosse pas, elle se détend le fion, là. Ah, le refuge, c'est Sims médiéval, c'est vrai. Donc là, elle va refaire sa programmation. De toute façon, il faut qu'elle programme. Elle passe du temps encore. Il vous reste 10 heures sur l'ordinateur. Et on passe à la prochaine étape de l'aspiration. Je ne sais pas si c'est la dernière ou pas, je sais plus. Ça va, on avance, hein, tout doucement, on avance. Patience est mère de sûreté, n'est-ce pas? Là, c'est dire, là, si seulement j'avais un canapé un peu plus classeux, pompeux, style Downton Abbey. Allez, viens, Jess, c'est la fête. Ça est. C'est la fête. Est-ce qu'il aime la malice, notre ami Mathias? Souvent, le Père Noël, il offre à mes Sims le vide du désespoir, un truc comme ça. Oh, c'est horrible, parce qu'ils n'ont pas été sages. C'est en général, quand tu les fais un peu salopards, les Sims, ils ont de la merde. Hein. Bah, remarque, là, Mathias, il a ouvert un cadeau, il a un charbon. Hein. Un charbon de bois, tu parles. Alors que c'est pas un connard, quoi, mais bon. C'est vrai. Alors, est-ce qu'il aime la malice? Non, entre ça et les sapins qui brûlent, mes Sims sont pas des super Noël, tu m'étonnes. Je l'ai eu une fois, je crois, le sapin qui brûle, voire deux. Mais pas tant que ça. J'ai eu de la chance là-dessus. Alors, non, il n'aime pas. Oui, 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 non. Sinon, il va piéger les shots. Ah ouais, j'avoue, Anne. Plus 5 pour Anne. Allez, 5 points pour Gryffondor. Ou je ne sais pas quelle maison tu es. Non, oui. Merde, non, mais du coup, alors non. Oui, 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 oui. Non, non. Et moi, je vote non. C'est égalité. Iruline vote non. Merci, Iruline. C'est vrai qu'on va pas aimer la... Ah non, c'est vrai qu'ils vont nous casser les... Il va me casser les pieds, me casser les toilettes dès que j'ai le dos tourné, en fait. J'avoue que non, du coup. Bah ouais, c'est ça. J'ai oublié le coup des shots, je chante mon vote. Allez, c'est parti, on dit non, alors. Merveilleux, merci. Merci à tous de votre implication incroyable. Et donc, Jess est venue à la zoomer. Ah mais c'est quoi tous ces gens? Il y a trop de monde. Salut Jess. Comment tu vas, Jess? On va bien, Jess. Jess qui a un petit enfant sur le challenge, j'ai 7 bambins. Non, pas complimenter l'apparence. Que fais-je? Je fais des bêtises. Par contre, il parle tout seul. Hein. Et elle la connaît? Non, mais on la connaît pas, elle. Donc, elle a pas besoin de lui dire ni bonjour ni merde. Elle a combien d'amis? Amis. Ça va, il y a Raoul, il y a le Hulk. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, c'est bon. Il y avait Nicolas aussi, ouais. Il est mort, Nicolas. Donc, c'est fut un ami, mais c'en est plus. Elle a une œil marre, là. Mais moi, j'ai voulu que tu continues. T'as fait que 50% de programmation. Et ils sont tous là, là. Ah non, on vient que te voir, toi. Pourquoi tu travailles sur ton ordinateur? Tu es sur ton ordinateur. Il frime en montrant ses muscles. Il est snob, le petit, le Jess, là. Faut avoir de la mémoire. Oui.
Trinjella Lodge, Pene Vima, Zanahoi Tombra Abaziric. Elle est déjà partie se coucher. Elle est contente, regardez-moi les cadeaux. Ouais. Et elle est colère parce qu'elle a faim. Mais pourquoi tu vas te coucher si t'as faim en fait? Je te pose la question. Oh non, les spags. Oh non, les spaghettis sont pourris. Oh, tristesse infinie et incroyauté de cruauté. Pasta primavera. Ça, on fera bouffer les gosses. La petite, elle va aller faire un petit dodo aussi. Le temps que papa il fasse à manger. Allez. Et tu vas reprogrammer. Continue à créer. J'ai cru qu'elle le draguait. Attends, tu vas pas draguer Jess. Hein. Oh non, mais c'est bon là, tout casser les affaires un peu ou pas? Heureusement qu'on est riche, hein. Allez, c'est bon, là, arrête avec ton frère. Oh non, il lui fait le ménage. Mais il est beaucoup trop gentil. Il est beaucoup trop gentil, Jess. Beaucoup trop gentil. Ah bah ça y est, elle aussi, maintenant, elle a des trucs, là, sur la peau. Oh, c'est la débandade, moi, je vous le dis. Oh, puis lui, ça lit tout. C'est bien vendredi soir, comme ça l'homme-femme de ménage, elles vont pas passer avant lundi. C'est cool. C'est bien, ça me fait plaisir. Tyrion, il se balade avec sa peluche. Il va lui faire sa misère. Il va violer le petit sa peluche. C'est très dérangeant de voir ça. Je vais forcément vous le montrer, du coup. Bah, il est parti avec. Il a su que vous allez regarder. Il s'est dit non, je me cache. Je ne verrai pas me voir me branler avec ma peluche. Est-ce qu'il a sa peluche ou il fait des... Écoutez, il fait ce qu'il veut, hein, ce chat. Hein. Qui suis-je pour le juger? Ça lui fait plaisir. Oh, oh, nous avions un vampire pas loin. Ça, c'est un vampire. Et ça, c'est déjà venu. Dégage. Nous sommes une famille... nous sommes une bonne famille ici. On veut pas d'être malfaisant. Jessie a décidé de faire les prolongations. Tchou! Bon bah du coup il va faire le ménage hein papa parce que... Il faut bien faire le ménage aussi. Là, je vais enlever les décorations. Jamie! Viens ici! Jamie! Viens! Est-ce qu'il va emmerder son frère qui est en train de faire ses délires là? Il t'embête, hein! Jamie, je vais te mettre un pchit, hein! Voilà, ça te fera les pieds. Le petit coquin, bah oui. Hein, Titi? Alors, t'as pas pu aller au bout de ton histoire, là, je le sens. Hein? Mais si, j'y suis pour rien, moi, Titi! Oh, ça suffit, hein! Il me regarde comme si j'étais responsable. Moi, je te laisse faire tes affaires, hein! Ah, la petite est dans un état. Vous savez quoi, j'ai quand même pitié de cette pauvre gamine. On va lui acheter un lit. Pas de place. On va lui acheter un lit sans avoir de place, oui. Ah, elle ne peut pas croiser d'autres objets.
Voilà. Pauvre petite. Eh, petite. Ma petite Nila. Mais travaille de hein. Voilà. Et lui se balade avec son calbute. Genre, salut, ça va? C'est moi son mec, hein. Oh, il a perdu! Il a perdu ses muscles! Oh là là, quelle tristesse. Travaille, toi! Pourquoi tu les regardes encore? Un petit peu bugué, ça aussi. L'animation, elle est un peu pétée. Ça va, Titi? Ça va, chaton? Ouais. Ça, pour être maigre, il maigre. Mais il avait chopé un peu de muscle en faisant du sport. Mais s'il allait courir un peu. On va bientôt avoir fini. On a 94 heures. La programmation, c'est fini pour aujourd'hui. 95 heures, ça va, on s'approche du but. C'est pas fini ? Eh, vas-y, va bosser. Va manger plutôt. J'allais dire, si t'as pas pris ton assiette, je te démonte en quatre, quoi. Ça va, Jessie, il est 4h du matin, Jess. T'es 4h du mat, tranquille, quoi. T'as pas l'impression d'abuser un petit peu? Oui, je suis envoyé courir. Elle rentre à la maison, va. Je vais aller les coucher, puis bref, et puis on se quittera. Des bisous, Lydie. Bonne nuit à toi. Eh ben, Jean-Guy, c'est l'heure d'aller se coucher. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et je pense que... Oh là là, là, Nila deviendra une enfant la semaine prochaine. Déjà, on vient à peine de la relooker. Sa sœur, ce sera peut-être pas le cas. Mais bon, tout doucement, nous avançons, quoi. Au niveau de la carrière, ça a bien avancé aujourd'hui pour Pom Pom, quand même. Hop, je vais mettre sur pause, je vais enregistrer. Pom Pom qui a gagné 2 échelons sur la carrière. Rien que ça, nous sommes maintenant au niveau 7. Ça, c'est à moi. Tyrion, c'est du pain. Là, tu as bouffé mon pain, quoi. Ça va pas bien, non? Tu dis? Bah alors? Ouais, mais il bouffe pas. Alors, il a faim, donc il me réclame à bouffer. Il bouffe du pain. C'est pas grave. Donc, nous sommes maintenant au niveau 7 de la carrière. Nous sommes à un bon niveau de l'aspiration. Je sais pas si on est à la dernière étape. Peut-être. En compétences, nous avons, c'est pas mal, on est presque au top de la programmation, on est à 9, au niveau 9 à 66%, donc c'est vrai qu'il nous reste pas beaucoup. En mixologie, on est à 8,5 et en jeu vidéo, nous sommes à 8, un tiers. Donc tout doucement, on s'approche du but final. Ça devrait être tranquille, hein. On devrait y aller facile, et puis après, le temps que les filles grandissent, évidemment, et après, bah, ligne droite vers la fin, quoi. Ça, c'est beau. Titi, à force de coin-coin, il s'est pris pour un canard, il bouffe du pain. C'est bien, c'est exactement ça. Mais tout à l'heure, oui, il m'a réclamé du pain, je lui ai donné du pain, il a bouffé, hein. Il est fou. Allez! Moi, je vous fais des bisous pour YouTube, évidemment. Et puis, on se retrouve donc la semaine prochaine. Merci à vous. Des bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve samedi prochain pour la rediff.
en live c'est le mercredi. Et puis restez connectés pour la suite des aventures. Des bisous YouTube. À très bientôt. Ciao ciao.